C'est dans le district de Diankana, relevant de la sous-préfecture de Carfamouria, située à 16 km de la commune urbaine de Kankan, que l'accident s'est produit à 1h du matin. Les quatre passagers à bord du minibus en partance pour Siguiri, immatriculé RC8569U, ont été blessés et le chauffeur a rendu l'âme au bloc opératoire à l'hôpital régional de Kankan. J'étais couché, je dormais. Soudain, j'ai aperçu les phares du camion à distance. Je me suis levé pour bien porter ma paire de chaussures. Avant que je ne finisse de porter ma paire, le camion nous a percutés. Je suis allé tomber avec le porte-bagages et les sacs de légumes. Cela a coïncidé à l'arrivée d'un véhicule. Un passager est venu soulever les bagages sur moi, je me suis réveillé. J'avais même oublié ma sœur. Lorsque je me suis rappelé, j'ai couru vers notre minibus. J'ai trouvé qu'elle était coincée et couchée à l'intérieur. On s'est démerdé pour la faire sortir. C'était compliqué parce qu'elle était sous la décombre. Cela a coïncidé à l'arrivée d'un autre véhicule en provenance de Bamako. Ils nous ont transportés à l'hôpital. C'est au bloc opératoire que mon maître est décédé. L'excès de vitesse, le mauvais stationnement sont les causes de cet accident. Le chauffeur du camion, Alpha Omar Ba, admet qu'il roulait à vive allure. Mais il soutient que le chauffeur décédé était en troisième position. L'accident s'était passé hier nuit à 1h. On est venu, on a trouvé, il y a un Mercedes qui était en panne ici. Mais on venait en vitesse, excès de vitesse. Il y a le car là, le minibus là, c'est sorti en troisième position là. Mais lui, il est sorti en troisième position. Il n'a pas attendu. Après nous aussi, on est excès de vitesse, on a fait des dégâts. La victime, Kerno Isiagasso, mariée à une femme et père d'un enfant, a donc rendu l'âme à l'hôpital de Kankan. Sa dépouille mortelle a été restituée à sa famille. Les autres blessés suivent leur traitement. Quant à Alpha Omar Ba, il est actuellement à la disposition de la gendarmerie routière pour des fins d'enquête.